Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 21 août 2020 sur l'hippodrome de Cabourg en Normandie. Comme le veut la tradition, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce mercredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. L'As Goofy Greenwood, piloté par Franck Nivard, s'impose de très peu devant Crescendis, bonne finisseuse. Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé dans l'ordre de près de 300 euros, le quartet dans le désordre de 165 euros et 62 centimes, ainsi que le quintet plus dans le désordre de 341 euros et 40 centimes. Les joueurs du concours de pronos gratuits ne sont pas en reste, bien au contraire. Alban et Rastanoir trustent les deux premières places du classement du jour avec 377,50 et 307 points, pardon, au compteur grâce à un quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases. Oscar RL monte lui encore une fois sur le podium avec un joli quartet dans le désordre. Bravo à tous les trois. Allez, passons maintenant à l'étude du tiercé quartet quintet plus du jour. Le prix d'Argentan, troisième course de la Réunion 1, départ donné à 20h15, sera l'événement du vendredi 21 août 2020. Ce rendez-vous labellisé course D n'est autre qu'un tournoi pour trotteurs âgés de 5 à 10 ans, n'ayant pas trusté plus de 225 000 euros de gains depuis le début de leur carrière. Le départ du tracé des 2050 mètres sera donné à l'aide de l'autostart, et une fois encore, il n'y aura aucun temps mort durant le parcours. Exit Money, le numéro 9, est le logique favori de l'épreuve. Ce mâle de 6 ans, dégageant beaucoup de classe, a juste à se sortir du numéro en seconde ligne derrière la voiture pour mettre tout le monde à la raison dans ce lot. Diamond Charm, le numéro 8, dont la classe ne fait aucun doute, tentera de profiter au mieux de son aptitude à la piste du jour, même si son numéro en seconde ligne, en dedans, n'est toujours pas un cadeau. Famous Lady, le numéro 12, bourré de classe également, est une 5 ans aux dents très longues, espérant monter sur la plus haute marche du podium ici. Bellagio Monoi, le numéro 3, qui se présente pour la première fois sous son nouvel entourage, aura de logiques ambitions sans ses fers. Capella Devry, le numéro 2, doué mais pas toujours décidé, a les moyens de faire sensation ici si Sébastien Arnault l'a bien sur la main. Dame de Belouet, le numéro 7, régulière, visera une place dans les 5 premiers. En cas de non-partant, 2 étoiles GD, avec l'aide de Gabriele Gellormini, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très joli quintet plus à tous et nous vous disons une nouvelle fois à demain pour une énième minute quintet.